Salut les gens, c'est Tardarine. On se retrouve pour la suite de notre Let's Play Bourguignon. On s'était arrêté la dernière fois après avoir mis une petite bafounette à notre ami autrichien et l'avoir copieusement humilié et avoir supprimé en plus de cela le centre de la réforme qui était juste ici et qui nous cassait un petit peu les noix en sens de convertir nos provinces. Donc ça c'était réglé. Et maintenant on s'apprêtait à aller mettre une bonne grosse baffe à la Lorraine. On va probablement lui prendre deux de ses trois territoires. Si l'expansion agressive est pas trop porcine, mais vu qu'on a des provinces ultra chères, à mon avis, ça va être compliqué. Là, on voit qu'on a notre cher ami le Brabant qui est sur le point d'être annexé. Je vais juste passer un jour. Voilà, merci. Et je vais aller lui taxer son pognon avant qu'il disparaisse. Allez, 52 balles. Je vais même le faire une deuxième fois. Et là, ça se trouve, en faisant ça, il va me dire zut le mois prochain pour l'annexion. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. Mais bon, si on peut taxer 100 ducats gratos, comme ça, on va pas se faire priver. Alors, on n'a pas de tribunal à faire. Et là, on n'a plus grand-chose qui nous rapporte de la caillasse. Et donc, en toute logique, la première chose que je voulais faire là, tout de suite, maintenant, c'était d'améliorer mes carrefours commerciaux. Parce que j'en ai plein. Alors lesquels seraient les plus rentables? À mon avis, ceux de la Manche. Commencer par Bruges. Hop, 200 ici, 200 également. Et le dernier, il est dans le Cotentin, mais je crois que le Cotentin... Ouais, je peux pas le faire. La simple et bonne raison que c'est une possession. Mais comme on va récupérer le Brabant, ça, on va sans doute le perdre. De niveau 2, donc il faudra que je le remonte. Et au pire, il nous restera le Rémois. On testera ça le mois prochain. Allez, c'est parti. On avait nos troupes qui revenaient. Intégration du Brabant. Yay! Il y a du vert de partout, les gens m'adorent. Et ils ont raison. Hop. Nos dépendances, les pays voisins. On remet un petit coup, de toute façon on n'est pas prêt pour la guerre. Toi tu veux te marier? Non. Toi tu veux le passage? Oui. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais je te le donne quand même. Alphonse de Strastamara, lui il a pas d'héritier légitime. Et il a 42 ans. Guerre de succession entre Aragon et Bourgogne. Baf! C'est la vie! Mais ce serait vachement bien. J'adorerais récupérer l'UP sur la Castille. Oui, donc ça c'était fait maintenant. T'es retombé? Ouais, il est retombé. Pourtant, Brabant méridional, c'est un état. Qu'est-ce que ça me dit ici? Ça me dit que je suis à 382 sur 420. Ok. Et là, je crois que normalement tous mes navires sont Max. Ouais. On les renvoie dans la Manche, faire 0,68. Même plus que 0,68. Pourquoi tu veux pas t'entraîner, toi? Parce que ton commandant est mort, c'est ça? Allez hop, on s'entraîne quelques mois. Et ensuite, on va aller tomber sur le dos de la Lorraine. Ah,
Ah, oh, Enrique de Trastamara, il a eu un héritier. À 42 ans, si c'est pas honteux. Ce serait bien si nous on pouvait passer de Trastamara aussi. Je remarque qu'on a des revendications sur les trois provinces de la Lorraine, donc franchement. Bade, Francfort, Savoie. Pas vraiment un souci tout ça, hein. Ah oui, c'est ça aussi que je voulais faire. Ça, je vais en faire un. Attends. Attends, attends, attends. Technologie. Allez, on est en retard. On est en retard et je crois que je pouvais aller en faire un réseau d'espionnage ici. Parce qu'il a de l'avance, lui, sur le... sur l'administratif par rapport à moi. Suis en retard sur toutes mes techs, c'est honteux. Cela dit, je gagne 27 par mois, je pourrais peut-être prendre des meilleurs conseillers. Lui, il a 39 ans, je pourrais payer pour l'améliorer au niveau 2, voilà. Lui, il en a 49, on va pas le faire. Les mecs de niveau 3, ils sont mauvais. Sur le papier, oui. Bétail, pareil. Et on peut refaire deux carrefours commerciaux. Bien évidemment, on les fait. Bien. Alors, il m'aime tous à peu près. Lui, il a pas mal d'expansion agressive. Lui aussi. Et les autres, c'est retombé quasiment à zéro pour tout le monde. Donc, conclusion. Conclusion, conclusion. Et bah. En route vers la gloire, hein. Alors, une technologie, c'est parti. Voilà. Quelque chose que j'ai pas regardé, c'est les cultures. Oh. Là, je pourrais pas changer parce que c'est protestant.
Là, il y a du néerlandais. Ouh, ouais, celle-ci, elle coûte pas cher à convertir. Là. Mort à la fond, mort à la fond. La noblesse s'inquiète, perd 2 ans en stab. J'adore. Déclarer la guerre. Ouh, bah Francfort ne vient pas, décidément. Non, le Messin, ce sera la cible. Hop là. Souf, c'est réglé. Et voilà, on n'en parle plus. Lui. C'est pareil, c'est vu, c'est fait, c'est plus à faire. Comme on n'a pas envie de piller ces provinces qui vont probablement nous appartenir, on rentre au bercail. Enfin, on rentre au bercail. On va piller Bad. Alors, ma petite tech, elle en est où? Elle est bientôt là. Toi, tu sers plus à rien, tu reviens. À noter que j'ai toujours une relation diplomatique de trop. Croisement des pots de vin, merci, c'est gentil. Culture implantée à Louse, yes, et c'est pas la Louse. Ok, wallon. Bonne récolte, 50 points de mine ou 450 ducats. 50 points de mine, hein. Les ducats, on les gagne. Là, ça c'est toujours pas rentable. Est-ce que... Ah, j'ai manqué de thunes. Ouh, 0,55, ça va être bon, ça. Ça va être très très bon. On va commencer à engranger un peu de sous. Alors ça, c'est complètement vidé. Demander la paix. L'argent, réparation de guerre, transfert de puissance, et tu vas mettre fin à une rivalité. Voilà, un de moins. Et la Savoie, c'est fini. Donc on va pas l'attaquer tout de suite, hein, il est catholique, donc si on... Si on le défonce de trop, ça va pas plaire à grand monde.
On va gentiment lui dire de mettre fin avec ce truc là. Hop. Et si le Suisse pouvait lui tomber dessus, ça m'arrangerait, mais il le frappe jamais, je pense. Hop, ça c'est réglé. Ça, ça va aller là. Alors, il faut que j'attende un jour. Si je prends... Ouf, regardez-moi ça, 85 d'expansion agressive. Et rien que là, je prends 56, mais franchement, c'est assez jouable. Donc, je pense qu'on va garder le Messin pour la prochaine fois. 56. Après, c'est parce que je prends la Lorraine. Si je prends le Messin à la place. 65, mais pourquoi? Est-ce que par hasard, je n'aurais pas de revendication dessus? Ben, si, pourtant. 28, 28 c'est tellement cher, 28. Allez, on va se contenter de ça pour commencer. Ce qui est con parce que franchement pour finir ma mission j'ai besoin de ces deux là, j'ai pas besoin de Mulhouse. Et vous savez quoi? Juste par principe de précaution, je vais attendre qu'on soit en fin d'année. Donc on va laisser cette guerre durer jusqu'à décembre. Et je pense qu'on va aller piller le Messin pour la peine. Dans ce temps-là, on va améliorer nos relations avec les voisins. Je sais, tu veux la paix, tu l'auras pas. La Suisse a déclaré la guerre à Savoie. Excellent! Excellent! Est-ce que je peux me permettre le plus 3? Ouais, allez, vas-y, fais péter. Comme ça, on va bien avancer dans nos doctrines. Ah bah tiens, d'ailleurs, en parlant de doctrine. Ouais, mais non, faut que je passe la tech. Faut que je passe la tech. Là, on a toujours pas fini de piller, c'est tellement riche. Hop là, on a fini de piller, on est en novembre. Dès le mois de décembre, on va gentiment aller faire la paix. Mais en attendant, toi, tu entraînes. Voilà. Là, on est bien. Toi, tu vas revenir.
Parfait. On va lui taxer tout son fric. Non, on va pas lui faire rompre son alliance. Allez, mets fin à une rivalité avec Palatina. Ce sera très bien. On légitime tout et on va même se prendre un petit point ici. Voilà. Est-ce qu'il nous reste encore 0,60? Oui. Allez, fais péter la chute de l'inflation. Ça valait bien le coup que j'augmente. Oh là 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 là. La tuile. La tuile, tuile, tuile. Qu'est-ce qu'on a? De l'efficacité commerciale, de la réputation diplomatique. Je prends celui à 3, là ça risque de faire un peu mal. On va prendre de l'efficacité commerciale pour commencer. Elle a 42 ans, elle va pas faire long feu. Alors oui, l'Aragon il veut se marier, bah j'accepte. Par contre j'ai déjà un héritier. 4-1-5. C'est pas fifou ça. Allez, ça dégage. Un membre de la maison Trastamara. Oui, vas-y. C'est ça qu'on veut. Hop, petit 0,55. Ensuite, pays outragé, s'il vous plaît. Ici, on va. L'agitation est pas forte ici. C'est quoi comme culture? C'est de la swab. Là, c'est de la bourguignonne. Oh, c'est parfait. On va même pas aller augmenter. Certaines de nos troupes sont en exil. Mais oui! Et depuis quand? Depuis quand? Ah bah j'ai quoi me faire une troisième armée en prime. Allez, ça va être très bien ça. J'ai gagné deux navires de transport. Pas ici. Hop, et je vais pouvoir faire des nouveaux navires marchands. C'est très très bien. On va le faire tout de suite. Je peux en faire deux de plus. Là. Et est-ce que je peux changer? Je pense que je peux pas encore. 80 en Bourguignon. Vas-y. 90 pour du Bourguignon. 67 pour du Wallon. 67 pour du Wallon. De toute façon, elle a accepté la culture wallonne. Milan, tu veux te marier? J'accepte. Est-ce que. La Bohème, tu veux te marier? Non, c'est bon. Toi, t'es catholique, mais t'es flamand. Toi, tu veux que je te rende une province? Bah, je refuse. Ah, peut-être que je cliquais pas sur la bonne option. Je l'aurais eu mauvaise. Lui normalement je peux aussi le convertir mais ça coûte super cher. On va faire du wallon. Il y a juste lui là qui va m'embêter là, pas être de la bonne culture, de la bonne religion je veux dire. Ah non. Enfin.
Démerde-toi. Ouais, du coup, réputation diplomatique, elle est aux fraises. Et lui, il va dégager. Dans ce territoire impérial illégitime, je vais l'avoir jusqu'à quand? C'est pas marqué. Est-ce que ce serait directement sur la province? Pendant 10 ans! Ah punaise. Alors, allez, oups, venez-vous. Merci, c'est gentil. Droit foncier plus 100 de capacité de gouvernance. Je suis puissant. Suprématie politique. Ça, on va les garder. Alors, l'éclair, ils veulent quoi? Zurich, non. Liège. Ah, quoique, Zurich? Ah bah si, si, ça pourrait le faire, ça. Je crois que je revendique déjà Zurich. Je revendique que ça. Une manufacture dans le Hainaut. Ah, ça pourrait être bien ça aussi. Liège est une dépendance de Bourgogne. On va faire ça. Ici, prestige tiré des batailles terrestres. Hop là, et oh, tolérance envers les hérésies plus 2. Si ça c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on est tolérant en Bourgogne? Alors maintenant. Une nouvelle armée. Et un nouveau commandant. Voilà, c'est parti. Mais arrêtez de me filer des héritiers, c'est quoi ce délire? Ouais, il a 50% de chance d'avoir de plus d'héritiers, mais quand même. Tiens, j'y pense. Là, 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 là. Plus il est tout moisi, le Philippe de Bourgogne, là.
Ingolstadt. Ce truc-là, là. Ouais, allez. Quoi? Comment ça, pas de réponse? Ah ouais, c'était vraiment une... Ah, saleté. Manufacture et un marché dans le Lyonnais. Vas-y pour un marché, hein. J'ai envie de te dire. Attends, la revendication, elle a vraiment pas fait long feu. Alors, est-ce que je perds du prestige? Non. Le scientifique Simon de Nanton est exécuté. Je vais attendre un mois, des fois que j'aurai un truc mieux. Puissance démissionnaire. Cool. J'en ai rien à foutre. Vu comment je suis au Concile de Trente, je suis pas prêt de pouvoir convertir grand-chose. Ah si, 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 j'aurais pu. À Bruxelles. On le changera dès qu'on pourra, probablement dans un mois. Hop, toi tu viens là. Tu vas passer plus 2 même. Et ici. Hop. Et voilà, 32 mois, on n'en parle plus. Comme ça, après, on pourra changer sa culture. Monopole de laine. Allez, ça file ici, ça là, et ça, ici, là-bas. J'y pense. Lui, on va pas le mettre à la tête des armées. Faut qu'il tienne jusqu'à temps qu'on ait de quoi virer l'héritier. Bah on est à 34 minutes d'épisode, mais faut que je m'arrête moi. Je m'enjaille, je m'enjaille. Allez, on finira la guerre avec la Suisse au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. À très bientôt tout le monde. Ciao, ciao.